bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Book of Urz. On est reparti pour notre petite journée et on avait plein de choses à faire. Et notamment, on veut ouvrir des portes. Donc on va faire venir Mr. Coyle. On attendait ici d'avoir un souvenir qui réapparaissait et on est Sunny. C'est un souvenir de level 2 de Sky. Et 2 de lanterne. Est-ce que je gagne 4 secondes en démarrant tout de suite? Allez, c'est parti. En avant, on met un Faust, on met un skill là. On craft Ascendant Harmony, c'est parti. Attends, ça prend 1 minute 30, c'est vrai que c'est hyper long. Et du coup, on n'a pas de Faust pour discuter avec notre ami Mr. Cal, donc il va falloir qu'on discute, d'abord qu'on lui file à boire, puis qu'on lui file l'Astrolabe. Et après, il faudra qu'on attende. Donc du coup, pendant qu'on attend, on ne peut pas faire mieux qu'attendre. On a un 9 de Grail ici. Là, on voudrait quoi? Du Hurt. 10 de Hurt. Alors, Mrs. Kyle. Mrs. Kyle. Elle a un seul de Hurt. Avec Chor ou avec le Health Plus, on est à 2, donc on monte à 3. On met un souvenir à 2, on monte à 5. C'est pas lourd, hein. C'est pas lourd du tout. Du tout. Ça m'embête un peu. Alors, et le Grail, vu qu'on a quand même un 4. Elle, elle a 2 en Grail. Donc là, avec le RF+, on monte direct à 6. 6 en Grail. Nectar, du Sky, du Nock. 600 Grail, on rajoute un souvenir à 2, on passe à 8, et il suffit d'un petit outil, et on est bien. C'est beaucoup plus acceptable, déjà. Donc on va aller ouvrir ce jardin, il y aura une petite serre et tout, il y aura peut-être des trucs cool. Donc, on fait venir Mr. Kyle, et après, on fait venir... Mrs. Kyle, c'est parti. Alors du coup, par contre, il va falloir qu'on synchro. Là, on a récupéré Solace. Donc, bah, du coup, il va nous servir à pas grand-chose. Si, la 2 de Herb, c'est parfait. Il va nous servir pour Mrs. Kyle. Ah non, on a dit Grail. Donc, il va pas nous servir pour Mrs. Kyle. Est-ce qu'on peut pas créer un souvenir de type Earth? Si je mets... Chor et 4. Alors qu'est-ce qu'on a en Earth qui est assez fort? Là on a 4. Non, là il faudra que j'ajoute un liquide. Si je mets genre ça, on va là. Ok, là on fabrique plutôt du liquide. Là, si on fait ça, et si je mets ça. Pareil, c'est plutôt du liquide, donc a priori pas de leçon, mais si je fais ça, du coup on est à 10. Ouais, donc ça me fait pas de song. Ça, il faudrait que je sois sur un endroit où je peux mettre un liquide, donc non, ça vaut pas le coup. Donc bah, ce souvenir va probablement nous servir pas à grand chose, peut-être pour monter un truc, ouais, peut-être pour monter ça. Donc on va regarder un peu ce qu'il nous faut. Donc toi. On va devoir reposer le Faust quand il aura terminé. En attendant, on va te filer une petite tasse. Petite tasse de thé. Après, ton souvenir est là. Il nous faut un souvenir de type Grail 2 pour ta femme. Grail 2 ici, voilà, parfait. Donc ce qui va pas nous servir aujourd'hui, c'est ça. Encore que peut-être un peu si on veut monter ça, mais on va déjà monter ces deux-là. Donc ça va nous servir pour là. Donc pour le leçon à Violet, il nous en faut 3. 3 de type Earth ou Moon. Hop, le Metal, il va pas nous servir aujourd'hui.
Faut qu'on arrive à avoir plus d'aspects plus élevés. Hein. Le Wits Plus, il va pas nous servir aujourd'hui. Donc il nous faut un autre souvenir de type... Non, on en a déjà trois là. Hein. Deux plus celui-là, donc on est bon pour cette leçon-là. Et Hill of Hollow, il nous en faudrait deux de type Moon ou Scale également. On va continuer. Scale ici. Tuck. On peut se permettre de mettre un Shaft. On peut se permettre de mettre un RM. Non. On peut se permettre de mettre un Fet. Non. Un Else. Non plus. Tu m'emmerdes. Là, c'est un Moon qu'on peut mettre. Mais il faut qu'on fasse attention parce qu'il nous faut du Moon là. Hein. Donc non. Alors là, on peut faire avec du Earth ici. Et ici avec du Scale. Ok. Donc c'est bon. En avant. Et il nous en faudrait un dernier, on va aller voir dans ces étagères-là, de type, on a dit, Scale ou Moon. Parfait, ici. Ici, et si on le lit là, avec quoi on peut lire? Un Else, un Shaft, parfait, un Shaft, en avant. Vendu! Vendu, vendu, vendu. Alors, on récupère Mrs. Kyle. Mrs. Kyle va être plus rapidement apte à bosser, puisque là, il faut qu'on finisse ce truc-là et qu'on fasse l'autre, donc on va travailler avec elle pour commencer la journée. Hop là. Tac. Tac, tac, tac. Oui, le RM. Voilà, on monte à 6, c'est parfait. Avoir besoin d'un outil, mais normalement il y a un couteau ou un truc du genre qui est de type Grail, c'est ça. Nickel. Alors, voilà, tout qui s'est arrêté d'un coup. Hop. 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 Et hop. Et hop. Alors, on va lancer avec le souvenir de type Grail. C'est celui-là, en avant. C'est à 8, excellent. Et donc, du coup, on va pouvoir faire un considère également sur l'édict inviolable. C'est parti. Donc là, il nous faut... un else de niveau 1, ça suffit. Et un souvenir de type moon, un souvenir de type earth, et un souvenir de type moon. Voilà, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On travaille, on travaille. Ok, on lui filera le couteau et elle aura ce qu'il faut pour aller ouvrir. C'est dit, c'est parfait. Après, on pourra commencer à papoter avec son mari, parce que ça doit se terminer, là. Ouais, ça va se terminer, le Ascendant Memory. Il arrive. Prend son temps, mais il arrive. Voilà, parfait. Il faut qu'on aille reposer le Faust tout de suite. Toc. 60 secondes. Là, on est level 4. Là, on n'est pas trop mal. On va lui rajouter un outil. C'est parti. Et elle sera à 9. Sans même qu'on ait utilisé de consommables. Ça, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on peut la monter facile à 11 voire 12 en avec des consommables. Et donc ici, avec ce qu'on a pris, on peut améliorer Hill and Hollow. Ça sort d'où, ça?
Ah, bah si, c'est ce que j'avais fait. Et le Ascendant Harmony, il est pour Mr. Kale. Ok. Et donc, il nous faut un effort de type Health, enfin de type Scale en l'occurrence. C'est parti. Et on ira peut-être travailler un peu avec nos trucs qui restent, parce que ça crame des sous quand même là. Bon, on a 240 en billets, hein, mais la petite monnaie commence à manquer, on va dire. Donc toi, on te met avec ton souvenir. Hop. Hop. Toi, tu vas pouvoir aller ouvrir cette pièce, t'occuper de cette pièce. Toi, tu vas là. Tu passes à 6. Et je t'ai pas mis l'outil encore? Peut-être pas. Il était à 2. Non, il était à 2, donc j'ai dû juste lui mettre sa tasse de thé. Donc ça veut dire qu'on peut le monter à 10. Hein. On va en profiter, on va aller ouvrir ça du coup. Toi, est-ce qu'on peut te faire aujourd'hui? Il faudrait du scale ou du knock. Il nous en reste 2. Et en vrai, t'es niveau 1, donc il nous faut juste un souvenir. Il nous faut 3 souvenirs en tout. Donc ça passe pas. Mais on peut le faire au moins 1. Donc knock ou scale. C'est parti. Ça c'est knock. Un truc là, on peut mettre un shaft, du coup non, enfin on en fera qu'un je pense. On va quand même essayer d'optimiser un peu. Là tu peux mettre du fait, parfait, fait c'est, ça matche pas. Donc là on en a un. Si je repose un truc, ouais, j'avais dit que je travaillerais, donc non. On va monter un niveau et on va bosser avec les autres. Ce sera plus logique. Voilà, là on a récupéré Faust, donc on va pouvoir faire monter notre gaillard pendant que sa femme s'occupe de nettoyer le jardin, plus ou moins, enfin de tailler dans le jardin. Du coup, ici, on va travailler avec le Chore. Voilà. Tac, tac, lanterne 9, knock 9, earth 9. Ouais, pas simple cet escalier. Là, c'est pire. Alors, on a ouvert la salle, on va aller voir. Du Edge, le forgeron, il est Edge 2. C'est atteignable assez facilement. Toi, du coup, on veut que tu passes à 10, donc on va te mettre ça. Et donc, la pièce qu'on a ouverte. Alors. Oh, un jardin potager, excellent. Un méga jardin potager. Des abeilles. Les abeilles, comme les bibliothécaires, ne doivent pas être négligées. Des poules. Two pence, the other chicken. Ah, ok, ça c'est Terence. Et ça c'est Two pence, et la plus grande qualité de Two pence, c'est qu'elle n'est pas Terence. Parfait. Alors, est-ce qu'ils vont faire des œufs, du coup? Je peux, a priori, rien faire avec. Ce n'est que elle est de type Scale 3 et qui est de type Comfort. Donc, je peux éventuellement l'utiliser dans des défis, mais j'ai pas l'impression que je peux les mettre dans leur petit truc, là. Par contre, il semblerait qu'on puisse ramasser des vegetables en été et en automne. Ok, donc pourquoi pas fabriquer de la nourriture, ça peut être intéressant.
Et ici, on est sur du grail niveau 10, ok. Pour ouvrir le cellier. Le cellier à 20. Et là, un cellier qui s'est effondré carrément. Fort bien. On attend notre souvenir et que lui est terminé. Voilà, on a notre souvenir. On va pouvoir apprendre notre leçon. C'est parti. Et toi, tu vas être prêt à ouvrir la petite pièce pour continuer à monter dans la tour de l'horloge. Je suis sûr qu'il va y avoir des trucs cool dans la tour de l'horloge. Alors avec le cerise, je crois qu'on fait de la merde. Hein. Non, c'est ça, c'est pour du pénis. Donc on va plutôt mettre toi. Et le cerise, on va cataloguer un truc. En avant. Alors, j'aurais pu essayer de faire du vegetable, mais normalement c'est marqué Summer en automne et on est toujours qu'en spring, donc... Ok, ici, on a un bon niveau. Alors on va aller voir si les nouvelles leçons qu'on a apprises, on peut pas faire des trucs intéressants. Alors du niveau 2, je pense pas. Ilan Hollow, c'est Preservation and Birdsong, donc Preservation on n'est pas bon, Birdsong pourquoi pas. Alors après on pourrait le monter, non on l'a déjà monté au max, c'est Horn on Ivory, Kebosk ou Skolekosophy. Alors Skolekosophy il nous faudra du niveau 4, et Bosk je crois qu'il est là, et ouais c'est ça, il nous faut du niveau 4, donc on pourrait déjà mettre lui là. Récupérer un chore. Ah, excellent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se permettre peut-être un chore level plus. Ça, ça m'intéresse. En attendant, on va essayer de voir si on peut fabriquer des choses. Genre en mettant Urban Affusion. Non, pour l'instant, voilà. On peut rien y faire. La terre est en train de dormir. Parfait. Pas grave, on va travailler avec le chore également. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je peux crafter un truc du Hert 2 5. Ouais, je pense qu'on a déjà essayé le truc de Hert 5. On va attendre. Ça, c'est un truc de niveau 10 de Hearth qui est autour de Drum and Dance. Okay. Pas particulièrement envie de prendre ça. Putain, c'est plein. C'est plein, il va falloir dépiler des bouquins, de nouveau. Ok, bon, on va voir ça demain. Déjà, ici. On va peut-être attendre que la pièce ici s'ouvre pour aviser. Il y aura peut-être des trucs à faire avec notre chore... un peu sympa. Allez, 8 secondes, 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes, 4 secondes, 2 secondes, 1 seconde, et on y est. Ouf, ça m'a l'air gros. Tower clock. Alors, on a une petite burette d'huile. On a un gros mécanisme ici. Et a priori, c'est tout ce qu'on a. Alors, ce gros mécanisme, qu'est-ce qu'il fait de beau? Evolve via Auromachistry. Excellent. Auromachistry, c'est celui-là. Bah non, pas excellent, parce que celui-là, on l'a déjà utilisé. Et ça, c'est du Faust. Non, c'est du Metal. On n'a pas d'autres Metal. Donc, du coup, non, pas excellent. Mais on peut faire quoi? Recollection, Action, Soul, c'est un truc... Il y a du Forge Inox, c'est relativement anormal, enfin inhabituel on va dire. Et après, 11. Ah, alors 11 ça commence à piquer.
11, on a réussi à atteindre 10 en lui filant un outil et à boire. Donc pour du 11, on pourrait lui donner à manger en plus, éventuellement. Ou du bois. Parce que lui, il peut travailler avec du bois. Mais alors du bois de type Sky, je suis pas convaincu. Pas dit, ouais. C'est pas dit, c'est pas dit. Donc on va aller travailler avec notre chore. Là, ça va se terminer. Hop, 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 en avant. On se refait un petit peu de thunes. Voilà, on a une couronne, 6 pence. On va se refaire 6 pence. Et du coup, si on voulait évolve... Chore. Je crois qu'on a un truc qui attune tout chore. Dans ceux qui sont assez élevés. Voilà, toi. Il y a celui-là et celui-là. Donc ça, c'est un Evolve via Birdsong et Chor, c'est de type Earth. Donc il y a bien moyen qu'on le fasse avec du Birdsong. Evolve via Birdsong, Evolve via Birdsong. Ah, c'est du Grail. Ah, mais Chor est Grail aussi. Maintenant, est-ce que... Toi, t'es Grail, ça m'étonnerait. Non, toi, t'es plutôt Moon. Hein. Toi... Edge et Moon. Et toi, t'évolves via Preservation. Alors, je crois qu'il y a ça qui est par Preservation, un truc dans le coin. Non. Me gourrais-je? Me gourrais-je? C'est Icastri. Toi, non. Ouais, oui, du coup, Earth, Grail and Moss, Moon on Scale et Edge on Moon. Eh, on est niqué. Tant pis, il faudra que je cherche en off si on a un truc quelque part qui match, mais là pour le moment, on l'a dans l'os. On l'a dans l'os, on l'a dans l'os. J'essaye de voir si on peut recruter quelqu'un pour nous aider. À part là, tout le monde est capable de débloquer par là, mais on pourrait essayer de recruter quelqu'un à la taverne, voir si... On va aller payer un petit coup à la taverne, voir s'il y a moyen de recruter quelqu'un qui pourrait nous ouvrir le chemin par là. Parce que mine de rien, ce serait cool d'attendre les caves, là. Alors, ouf, voilà, c'est refresh, donc maintenant que c'est refresh, ah j'avais oublié toi, toi. Hop. Heureusement il s'est reposé quand même, on va aller mettre un petit peu de sous là, pour voir qui a recruté, et on va préparer des leçons pour là, donc on veut le monter... On est level 2, donc il va nous falloir 2 souvenirs, 2 types scale, ou knock. Scale ou knock. Là on a un scale, parfait. On va lire ça avec un width de base. Et scale ou knock, ici parfait. On va le lire avec... Metal qui nous sert pas trop metal pour le moment. Pour le moment, je pense que si on cherchait avec le forge, il y a probablement moyen de faire des, de forger des choses, de fabriquer des objets, etc. Genre là. Mais bon, faudra que je regarde. Tellement de choses qu'on peut faire de toute façon. Donc là, on travaille sur notre livre et on a du Sony.
Ok, du Sony. Ce qui veut dire qu'on pourrait refabriquer un Ascendante Mélodie, cramant le Faust pour rebooster le Sky. Aller chercher ce 9 par exemple. Ou ce 11 en tirant un peu. On va préparer du thé. Alors, on va recommander du thé déjà. Ah, il faut que je refasse du Catwink aussi. Ok, en avant. Où est mon encre? On va faire un petit Catwink. Et on va commander du thé. Peu d'encre. Alors, c'est vrai qu'il faut cliquer pour scroller. Un petit lab 5T. C'est parti. Commander un petit thé. Ah, il y a de l'orage qui arrive. On va voir si mon électricité tient. Qu'est-ce que je vais foutre avec ce Sony? Je sais vraiment pas. Hein. Ça, c'est du type Earth. Si on faisait un Earth niveau 2, on a ça, lanterne. Earth 2 ici. Else. Devrait pouvoir faire un 8 assez facilement, un 10 en forçant un peu. Hop, on va aller envoyer la commande avant d'oublier qu'on l'a écrite. 12 balles, bah on va mettre une couronne. Hein. Hop. C'est parti. Là, on est toujours en train de voir qui serait disponible. On va laisser tomber pour aujourd'hui. Je pense que notre Sony nous servira à rien. C'est pas grave. On va essayer de trouver quelqu'un qui est capable ici déjà. Alors, ça y est, on a plein de trucs. Souvenir. Souvenir. Ah, un ingénieur. Un ingénieur. Skyforge et lanterne. Ah mince, je pensais qu'il serait scale. Bah, du coup, ça m'intéresse pas trop. Enfin, il va démarrer à 4, hein, donc. C'est plus intéressant pour monter à 9 et tout, mais il nous coûte 24 balles, hein, donc. Franchement, ça vaut pas le coup, quoi. Le recteur, il nous coûte 12. Enfin, le recteur ou le Smithy, il nous coûte 12. Déjà pas mal. Ils sont à 2. On peut grimper assez aisément. Donc, non, tant pis, du coup, on va pas le recruter. C'est pas grave. On réessayera demain. Ici, on a de quoi travailler sur notre leçon tout de même. En avant, hop. On va mettre un Shapt et Stolen Secret et Fear. C'est parti. Va être une petite journée, je pense. Voilà, on a fait une petite Catwing. On pourrait en refaire, hein, d'avance, avec un Thrist. Hop, et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on a du Engrow d'avance? On n'a pas de Engrow d'avance. On pourrait même faire un peu de Engrow d'avance, c'est celui-là. Tac, tac. Ah oui, non, là, du coup, il nous faut le skill, donc oui.
Bien sûr que non. Alors on peut regarder. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre d'intéressant avec nos encres là? Ça, c'est du rose level 3. En rose, on a fête qui est à 3. Ok, donc ça veut dire qu'on peut assez aisément faire un truc. Un salt signe. Ça ressemble pas à une encre, ça. Hein. Excusez-moi de le dire, mais. Et alors, du coup, si on met ça, on a que 1 en scale. Il n'y a que Else qui donne du scale. Hein. Ouais. Donc, on n'aura pas 5 de scale facilement. Bon, c'est naze. Et du coup, l'autre encre. Bon, on va peut-être le lancer, comme ça on verra, mais. Link of Revelation, donc ça c'est du lanterne. En lanterne on n'a plus que Faust de disponible. Regardons ça. Refulging. Refulging, qu'est-ce que c'est? C'est un nom. C'est un nom d'objet, on dirait un nom d'objet. On va le lancer, allez. Non, qu'est-ce que tu fais? Ça sort d'où ça? Non, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai dû cliquer sur un livre sans faire exprès alors que je voulais cliquer sur Start. Ça. Ça. Et le craft du refunding. Et je vais quand même lancer le Salt Sing. Mais je crois que j'en ai déjà des Salt Sing. On va le lancer quand même. C'était pas celui-là. C'était celui-là. Du coup, il est déjà utilisé. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On a notre memory pour notre livre. Alors, il nous faut un bureau de type Earth. Est-ce qu'ils sont tous cramés du coup? Celui d'en haut. Celui d'en haut, c'est très bien. En avant. On met ça, on met ça, on met du coup. Un chore. Et il nous faut un skill de type Earth un peu vénère. Lui, 5. On est à 9. Donc à 9, il nous faudrait un outil de type Earth. Toi, non. Là, le sablier, non, non. Il y a les bols, là. Les bols, c'est de type Earth, non? Ouais, parfait. En avant! Onwards, comme ils disent. Avec tout ce qu'on a là, est-ce qu'on n'irait pas se faire une petite balade sur la plage? Du moon? On peut avoir 2 de moon et combien? 8 de moon. Allez, on essaye. On va voir ce que ça donne. Et là-bas? Du Earth, du Scale. Scale, on a quoi? On a 4 ici. 4. 3. On en reste 5 avec... avec ça. On va mettre un... Non. J'ai plus d'autres Else, donc... c'est parti. Allons-y. On verra bien ce que ça donne. On va aller travailler un peu là. J'allais dire non, faut que je regarde qui a recruté, mais non, c'est vrai qu'on l'a déjà. On l'a déjà regardé ça. Et donc du coup, on aura éventuellement du catalogage, mais notre bibliothèque est pleine. Donc il faudrait qu'on range nos livres en attente d'être lus. Alors là, il y a pas mal dans... Enfin, c'est des tout petits emplacements, mais... On pourra le faire pour ranger quelques bouquins. Idem, là, on a un petit peu de quoi ranger. Bon, paf, 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 paf. Alors, on peut aussi regarder ce qu'on pourrait faire. On va regarder ce qu'on pourrait faire, on va les ranger dans nos bibliothèques de « on pourrait les faire ». Rose 10, c'est faisable. 14 de moss, non. 10 de moss, pour le moment, non. Le langage, on le lit. Non, on le lit pas. 10 de moss,
Peut-être. Là, on a deux de Moss. Pas d'autre qui fait du Moss. On a deux de Moss. Ouais, deux de Moss, c'est un peu chaud. 12 de scale avec juste le R, c'est tendu. 14 de edge, non. 10 de grail. 10 de grail, ça se fait. 8 de forge. Et en plus, on sait le lire, ça se fait. 8 de herse, ça se fait. 14 de lanterne. 16 de noc, peut-être pas. Ça, c'est du nectar, donc ça se fait carrément. 14 de moon, et on sait le lire, on sait qu'on peut faire 14 de moon. Voilà, on va remplir un petit peu notre étagère ici. Alors du coup, lui, par contre, on va l'enlever. Il est très simple à faire, mais le problème, c'est qu'on ne parle pas la langue. Donc ça nous coince un peu. Je me disais, mais j'ai vidé, mais oui, j'ai vidé ce côté-là. Okay. Et on a assez de place pour cataloguer 2-3 trucs. Parti. Cataloguer avec un petit REB ici. Cataloguer avec un shaft, ça me va très bien. Voilà, on en catalogue déjà deux. Faudrait qu'on nourrisse le chat aussi éventuellement. Pas s'il va essayer de se barrer si on ne le nourrit pas. Je pense que Chobiti serait en train de hurler si jamais il partait. Donc, alors qu'est-ce qu'il mange? Des œufs ou des restes. Alors là, on a quoi? Ok. Ça, c'est un truc pas trop gros. Et ça, sinon. Mais ça, c'est très fort, donc moi, bof. Bon, on va lui payer ça, hein. Et hop. Vendu. Par contre, il va falloir qu'on génère de la bouffe, hein. Quand ça sera l'automne, là, enfin l'été, on va générer de la bouffe. Hein. Et eux, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Pas l'impression, on peut pas les mettre dans la cuisine pour les cuire, pour leur faire pondre des œufs. Là, c'est vraiment un effort et de la knowledge. On pourrait peut-être faire du miel, par contre. Là, on en a hein, des trucs qui peuvent aller là, ouais, carrément. On peut mettre insecte and nectar. Ah, par contre, on n'a plus de skill qui va dedans, dommage. On pourrait faire du miel probablement. De manière plutôt aisée, on va dire. Alors, ça déjà, c'est fait. Est-ce que, je crois qu'on avait regardé, mais on peut pas le monter, hein, c'était bosque ou machin. Et les deux, ils sont, il faut du level 4, c'est ça. Bosque et scolo machin truc. Il faut du level 4. Alors ici, on a catalogué ça, c'est grêle de niveau 10. En plus, c'est à propos des plantes. Parfait. Et ici, c'est grêle de niveau 10 aussi. Et en plus, c'est pour augmenter notre signe, là. Donc pourquoi pas. On va en garder un, on va en déposer un là. Et on va regarder un peu ce qu'on peut faire demain. Demain, on va travailler sur ça. Et sur un herd, je pense. Et sur un moon. On va travailler sur tout ça demain. Et du coup, bah on va cataloguer les deux qui nous restent. Allez, vendu.
Alors j'espère que vous entendez pas trop l'orage, parce que ça... Ça gueule un peu. Faut dire ce qui est. Ok, on n'a pas de livre disponible, de bureau disponible pour le moment, mais on peut le cataloguer là. On va le faire, vite fait. Hop, hop, voilà, donc on n'a plus aucun livre à cataloguer maintenant. On a bien rattrapé notre retard, il va nous falloir ouvrir des salles là. Ici, il va y probablement y en avoir des livres à cataloguer. Alors, Mr. Kyle et Winter 2. Est-ce qu'on peut monter Winter 10? Là, on sera à 5. Regarde. Qu'est-ce qu'on a fait? Refulging. D'accord. Ouais, donc j'en avais déjà fait, mais c'est nul. Ici, on a fait ça, et là, on a fabriqué des trucs. Alors, ça, c'était de la peinture, j'allais la foutre par là. Et l'autre truc qu'on a crafté, c'était la Cat Ink. Donc la Cat Ink, elle vient ici. Ça, on en a un petit peu d'avance. Donc, je sais plus ce que je regardais. Si. Si je pouvais avoir 10 de Winter. Donc, on a dit, il a 2. Je rajoute 3, ça fait 5. 14 de rose, c'est un peu trop. On va aller le ranger. On va aller le ranger, on va aller le ranger là. Et le chat, c'est bon. Il a bien aimé notre petit pâté. Hein. Ça, c'est quoi? 4 de Edge. Intéressant. On va le garder parce qu'on va quasiment pouvoir le faire instantanément, lui. Limite même aujourd'hui, si je voulais. On va le garder. Et reprenons. Donc 5. 7 avec un souvenir. 7 avec un souvenir. Est-ce qu'on a un outil de type Winter? Alors en boisson, on a l'eau qui est de type P1. On a un outil de type Winter ici. Donc ça fait 8. Plus la flotte. Ça fait 9. On peut lui donner à bouffer si on veut. Ou alors on lui donne un bout de bois. Ouais, on peut aller à 10. On peut aller à 10 hein, pour le en Winter. Excellent. Du coup, bah, je suis désolé, je vais devoir m'arrêter parce que là, l'orage est un petit peu trop brutal. Je pense que ça va claquer. Du coup, on va s'arrêter là pour l'épisode de VOD et pour le live. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.